pas fait un mélange de savon super éclaircissant pour le visage. Pour cela, on aura besoin de ce savon-là. Kojic à la tomate, collagène plus hydroquinone free. Donc, comme c'est pour le visage, on va prendre un peu seulement. Je n'ai pas besoin de ça beaucoup. Donc, je prendrai peut-être le quart. Comme ça. On y prend ce savon. Frozen collagen 2 en 1. Whitening 10 fois. Ça éclaircit 10 fois plus. Voilà, j'ai pris le quart. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas le même savon, vous pouvez prendre n'importe quel savon au collagène. Voilà le savon râpé, les savons qui sont râpés. Maintenant, on va passer aux poudres. Ça, c'est demi cuillère à café à table. Donc, une cuillère à café de qui est là. On va ajouter la poudre de vitamine C. Une cuillère à café. Voilà. On va venir ajouter. Si vous n'en avez pas, vous laissez. Vous pouvez ajouter le sérum de la vitamine C seulement. Moi, je vais ajouter la poudre. On va prendre ça, c'est la poudre de glutathion. Je vais prendre une cuillère à café aussi. Ça, c'est mon salicylique acide. C'est bon pour faire finir les boutons. Une demi-cuillère à café de poudre de salicylique acide. Ça, c'est mon tube pour le visage. Fair and Lovely. Vous pouvez prendre n'importe quel autre tube qui n'a pas de clobétasole. Ce tube là aussi a beaucoup et c'est multivitaminé. Et ça a beaucoup de il y a du salicylique acide dedans aussi. Mais si vous n'avez pas, vous laissez, vous prenez un autre tube pour le visage en tout cas. Venez prendre 15 grammes dont une cuillère à table. Vous aurez besoin de votre concentré à santé Q10. Si vous n'en avez pas, vous voyez, c'est fait pour les visages, pour le visage. Pour le visage. Si vous n'en avez pas, vous prenez un autre concentré qui traite les problèmes de visage. Ou bien vous prenez le concentré peau jaune, tout simplement. Et venez ajouter 15 ml. Donc une cuillère à table. C'est pour laver le visage. Fast Wash Touch Me with Honey Extract. Fait à base de miel qui prévient l'acné, qui prévient les rides et les boutons aussi. Ça contient de... Il y a toutes sortes de modèles. Hein. Je l'ai eu sur... dans une boutique, mais pour celles qui sont en Europe ou aux États-Unis, vous pouvez l'avoir sur Amazon, sur eBay. Et en Afrique aussi, j'ai vu même qu'il y en a sur Jumia. Il y en a en papaye, en citron, en orange, avec l'aloe vera. Voilà, c'est ce truc-là. 100 ml. C'est tellement efficace que si vous mettez sur votre visage, vous lavez votre visage, vous touchez votre visage, vous allez sentir que ça va faire des grincements comme ça. Crrr, crrr. Ça nettoie en profondeur le visage. Donc si vous pouvez l'avoir, ajoutez. Si vous n'avez pas aussi, c'est pas grave. Moi, je l'ai, je vais l'ajouter. Voilà. 15 ml. Je ne vais pas trop compliquer les choses. Pour celles qui n'ont pas de salicylique acide, ni ce tube-là, j'ai pris une lotion de visage. J'ai pas envie de mettre, mais je mettrai quand même
pour que vous puissiez au moins remplacer. Pour celle que, parce que la lotion de visage là aussi est remplie de salicylique acide. Voilà. Et cette lotion, j'ai fait une vidéo sur ça. Je ne sais pas quelle vidéo je vais mettre d'abord. Si je vais mettre la vidéo de la lotion ou bien la vidéo du savon. Vous verrez, j'ai parlé de cette lotion là. La lotion s'appelle C'est OK. Donc, n'importe quelle lotion du visage, vous pouvez prendre. Et Dermalise, quoi, vous mettez juste un peu. Mais pour celles qui sont dans les pays où il y a le soleil, pardonnez, si vous avez la crème solaire, vous pouvez ajouter au cas où vous voulez sortir en journée. Sinon, vous utilisez carrément la nuit. Donc, je vais ajouter ma lotion de visage juste un peu. Donc, 15 ml. De lotion, c'est OK. Vous pouvez mettre du gel de l'aloe vera si vous avez. Ça, c'est mon aloe vera avec de la verveine. C'est deux en un. Bio aloe vera plus verveine. Verveine, c'est quoi? C'est comme le citron. Voilà. Donc, ce que j'ai eu comme aloe vera, peut-être 10 ml. Et vous passez au mélange. Vous mélangez que ça, le mélange soit homogène. Vous blendez juste un peu. Voilà, j'ai blendé. Comme c'est pas beaucoup dedans, ça n'a pas trop rendu ça en pâte. Mais c'est blendé. Ça s'est mélangé, les ingrédients se sont mélangés. Je vais ajouter une cuillère de propylène glycol à café. Vous venez faire que les ingrédients puissent jouer leur rôle. Je n'ai pas ajouté d'huile parce que pour celles qui ont les visages gras, c'est pas la peine. J'aime pas ajouter l'huile sur mon savon de visage. Pour ne pas que ça me donne des boutons, mais un concentré au moins vous pouvez ajouter, mais de l'huile non, c'est pas la peine. Que vous ayez le visage gras ou pas, de toute façon après vous êtes lavé, vous allez mettre votre crème de visage. Voilà votre savon de visage Kojic à la tomate et au collagène qui va venir vous traitez votre visage profondément, claircir et rendre le visage net. Et venez enlever le sébum, le point noir et tout sur le visage. Venez aussi raffermir votre visage à cause du collagène là. Et ça va venir nettoyer en profondeur à cause de l'autre, à cause de ça là. Ça va vous nettoyer le visage en profondeur. Vous serez même étonné. N'hésitez pas à l'essayer. Vous n'avez pas besoin de prendre le même savon au collagène comme moi. Si vous n'avez pas frozen, vous prenez un savon à base de collagène seulement. Ça va marcher. La vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'essayer. Et on se voit une prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo. Bye bye.